Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très bien, c'est Nas Réaction, Action Réaction, comme dans les films d'action. Et là on va passer à l'action de la dégustation, tout simplement de la soupe Harira, la soupe du Ramadan. Donc Ramadan Mubarak, tout le monde à ceux qui font le Ramadan, Bessaha, bon appétit. Donc là on va avoir cette soupe très riche, on voit des bouts de lentilles, des pâtes, de la viande, des bouts d'œufs, des pois chiches, des céleris et des oignons, des tomates, des bouts de tomates aussi fraîches. Voilà, voilà. Donc, Bessaha, bon appétit. J'en peux plus. C'est une soupe qui est faite au Ramadan, mais pas que. On peut rajouter un peu de jus de citron, ça la rafraîchit. Du citron frais, c'est mieux, mais ça rafraîchit plus. Des fois, quand elle est trop chaude, ça donne un petit goût acidulé en plus qui se marie bien avec le goût acidulé de la tomate. C'est un truc de fou. Dès que tu mets le citron, c'est encore meilleur. Ce qu'on fait aussi, c'est qu'on met des petits bouts de pain comme ça. Des bouts de pain à tremper. Voilà, et là, la soupe, elle bourre encore plus. Déjà qu'elle est bourrative, avec des petits bouts de pain. On trempe son bout de pain. Aussi, ce qu'on peut faire, c'est avec les dattes. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est personnel, c'est mon goût personnel. Ce que je fais, c'est pendant le Ramadan, comme il y a des dattes partout. Je coupe des petits bouts de dattes et je les mets dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, ça fait un truc sucré, salé, acidulé. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. C'est une soupe de psychopathe, ça. Avec les dattes et le pain. C'est un truc de fou, tout simplement. Une soupe de fou. Du coriandre aussi. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Nas Réaction, Action Réaction. Et là, il va s'afficher les vidéos de suggestions en rapport. Quelque chose, ça bientôt.